Oui, Pascal Mila, du nom de cette jeune fille de 16 ans au cœur d'un scandale depuis maintenant euh, une quinzaine de jours. Tout a commencé précisément le 18 janvier dernier. La dot de 16 ans publie une vidéo en direct sur Instagram. On la voit sur ces images. Elle critique l'islam. Alors j'ai précisé ce qui a été dit puisqu'on en parle beaucoup. Hein, de Mila. Elle dit je déteste cette religion, une religion de haine. L'islam, c'est de la merde et tout un tas de noms d'oiseaux que je ne vais pas citer ce matin. Elle n'imagine pas à ce moment-là le séisme que ça va provoquer dans sa vie tranquille de lycéenne. La, la vidéo se met à circuler. Euh, sur Internet, elle reçoit des menaces de mort, des menaces de viol, des insultes homophobes, car il se trouve que cette jeune fille assume son homosexualité. Et sur les réseaux sociaux, ça devient la foire d'empoigne entre les pros et les anti-Mila qui s'insultent à longueur de messages. On Franchit un cap lorsque son adresse personnelle et celle de son lycée dans l'Isère sont rendues publiques. Il y a des appels au lynchage. Trois jours plus tard, Mila porte plainte et elle quitte son lycée. Elle n'y est toujours pas retournée. Ça va faire trois semaines. Hier, pour la première fois, elle a décidé de prendre la parole. Elle était l'invitée de quotidien sur TMC de Yann Barthès. Elle a expliqué qu'elle tenait à témoigner à visage découvert car elle assumait finalement ses propos. Elle a raconté à quoi ressemblait sa vie depuis cette affaire et surtout pourquoi elle a été contrainte de quitter son son lycée en catastrophe écoutez j'étais pas en sécurité dans mon établissement c'est à dire que si j'y retournais je, vu les menaces que j'ai reçues des personnes de mon lycée j'aurais pu être brûlée à l'acide j'aurais pu me faire frapper j'étais menacée d'être déshabillée en public d'être même enterrée vivante enfin c'est parti vraiment loin donc j'étais pas en sécurité j'étais obligée d'abandonner mon lycée alors, c'est vrai que quand on entend ça, on a l'impression que tout le monde est devenu dingue. Et la classe politique en premier, parce que ça fait 15 jours euh, que les hommes et les femmes politiques s'écharpent sur le dos d'une lycéenne de, de 16 ans. D'un côté, on a la récupération d'extrême droite, les propos de Marine Le Pen, qui a été la première à, à la soutenir. Hier encore, après euh, la diffusion de son témoignage, euh, voici ce qu'a tweeté Marine Le Pen ça n'est pas à Mila de s'excuser, c'est à ceux qui la menacent de mort, la harcèlent, l'insultent, de rendre des comptes devant la justice. Bravo à cette lycéenne pour son courage. De l'autre côté, le gouvernement a l'air un petit peu perdu. Nicole... Colbeloubet a même été contrainte de s'excuser après avoir parlé dans une interview d'insultes à la religion. On lui a reproché de vouloir mettre en question le délit de blasphème. Ce week-end, Ségolène Royal a fustigé l'adolescente qui faisait une crise. Elle a dit qu'elle avait trop manqué de respect et que non, elle ne serait pas Mila. Alors on le voit le malaise. Le monde politique, et notamment à gauche, ne sait pas sur quel pied danser. Voilà, et Mila, elle, a parlé de ce qu'elle a dit. Effectivement, elle assume. Elle oui. assume totalement son droit au blasphème. C'est-à-dire qu'elle a présenté, d'un côté, elle a présenté ses excuses à ceux qui ont pu être blessés. Elle a expliqué qu'elle avait des regrets, mais qu'elle ne regrettait pas, en tout cas, le fond de son propos. Écoutez, il y a deux choses que je regrette dans cette histoire. C'est de l'avoir dit d'abord sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas mesuré l'ampleur que ça pourrait prendre, et c'est de l'avoir dit d'une manière aussi vulgaire parce que j'aurais pu argumenter, j'aurais pu. Vous regrettez la vulgarité Je regrette la je vulgarité, c'est ça. Je reviens encore sur le sujet du fait que je ne regrette absolument pas mes propos. Donc c'était vraiment ma pensée. Le droit, vous ne regrettez pas le droit au blasphème. C'est ça, le droit au blasphème. Alors, on, on est quand même impressionné par la, la, solidi la solidité de cette gamine. Elle n'a que 16 ans. Elle se retrouve euh, en direct à la télévision avec un public derrière, euh, à assumer euh, tout ce qu'elle s'est pris dans la figure. Euh, mais c'est la génération des, des réseaux sociaux, la génération de télé-réalité, euh, la génération qui s'est transformée un bad buzz en good buzz. Car alors ça, c'était la surprise du chef hier. Personne ne s'y attendait. Mila n'est pas venue toute seule. Euh, elle sort une chanson inspirée de toute, toute. cette histoire. Car c'est une jeune fille euh, qui, euh, qui faisait euh, euh, de la chanson urbaine comme ça chez elle tranquillement et en exclusivité. Elle a fait écouter un extrait euh, lors de l'émission. Écoutez. « Je voulais non, pas dans ce contexte-là Je rêvais de briller sur scène, je ne voulais pas cette guerre Cette histoire m'a rappelé qu'un rêve reste un rêve, et que même en me dissuadant, rien ne peut m'en défaire » Lorsqu'ils peuvent tenter de gagner, ils ne pourront pas me prendre ce que j'ai dans la tête. Voilà les, les, la chanson inspirée, les paroles ont été inspirées de, de ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Alors là, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question est-ce que c'était vraiment le moment de faire sa promo de chanteuse euh, Voilà, Andy Warhol nous promettait, vous savez, le fameux quart d'heure de célébrité. Mila l'a eu, elle aurait pré peut-être préféré s'en passer. En tout cas, elle en a visiblement profité jusqu'au bout de ce quart d'heure de célébrité. Voilà, merci beaucoup.